Ouais. Je sais pas si vous avez vu cette transition du mal de retour dans Let's Play, voilà. Après cette petite interlude pasta steak, putain, qui descend tellement bien, je sens que ça coule dans mon œsophage. Qu'est-ce qu'on est bien, hein. Qu'est-ce qu'on est bien. On va pouvoir recommencer le Gemu. Il est là, le Gemu. Donc, je vous rappelle, je me suis fait bourrer comme un vieux sac à merde, parce que tout simplement... J'avais oublié que le boss qui m'a démonté via une mort scénarisée m'a laissé à un PV. Et du coup, bah, j'ai failli tout simplement crever. Heureusement qu'il y avait un mec qui m'avait dit sauvegarde, c'est super important. Heureusement. Sans lui, je pense que le décès aurait été total. Et donc là, nous devons repartir dans le futur. Aller trouver une porte magique. Scellé que l'on peut désormais ouvrir grâce aux prières du dieu machin truc. Voilà, j'évite ce combat là parce qu'il est vraiment très chiant finalement. Et là je vais aller me téléporter. Je vais voir si je peux pas réveiller de la magie pour Louise. Pour les coffres noirs, déverrouille-les dans le passé en 600. Et prends-les dans le présent en 1000. Alors attends, est-ce qu'il faut que je les déverrouille dans le passé? Ou est-ce que je dois les déverrouiller dans le futur? Je comprends pas. Louise aura jamais de magie, d'accord. Okay. Heureusement, ma chérie, tu es née dans l'air avant les magiciens. Tu es canon, mais tu ne peux pas utiliser la magie, d'accord. Qu'y a-t-il voulu vous jouer à moi, d'accord. Pas de magie, ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc allez, en route pour le futur. Non, pas du tout. Non. Ouvre dans le passé et prends dans le futur. Putain, ça ne veut rien dire. J'ai fait un misclick. Je me suis trompé. Je me suis trompé de clic. Non, tu les examines dans le passé, puis tu les prends au futur. Ou présent, et ensuite au passé. Je les examine. D'accord, je les examine. Donc là, ça serait intéressant d'aller en moins 600 examiner des trucs. On va essayer, d'accord, on va essayer. Vous allez me dire si je fais une bêtise. Donc là, je vais aller voir justement un des sceaux qui est disponible par ici. On va voir si ça a un effet sur lui. Je sens que c'est pas là qu'il faut aller. Il faut que j'aille dans le futur. Fais une save state avant d'examiner, je le sens mal. Je n'ai pas de save state, hein. Je joue sur le vrai jeu. Hein. Le jeu, il est là. Il n'y a pas de save state hein, dans le vrai jeu. Hein. Après, je peux faire une sauvegarde classique, hein, avant, ça peut marcher. Mais... Je dois aller en 2300, là, de base. Et moi, je vais essayer de chercher le talisman. Il y a une petite pierre qui traînait... Ah, tiens, déjà, ça traîne. Ah, c'était un piège. En fait, si tu examines les coffres dans le passé, ça les renforce dans le futur. Puis tu les prends au futur ou présent et ensuite au passé. D'accord. Ok. Donc faut que je les examine, mais que je les prenne pas. Ensuite je les prends dans le. Je les prends dans le futur. Ok. Et ensuite je fais des. Je donne grade. Y'a pas de truc ici? Oh, j'étais persuadé qu'il y avait un truc ici. Y'en a pas en fait. Si, là, non? Voilà, il y en a un là. Voilà, j'examine. Vous avez obtenu une gélule de rapidité. Je suis baisé? Ça n'a rien examiné du tout. Hein.
C'est normal, d'accord. Quoi? Ce coffre n'a pas de version dans le présent, d'accord, ok. Bon bah j'ai tout fou alors. Écoutez, on se casse. Putain, le coffre dans le passé, dans le présent, du passé. Oh là, foutez-moi le pays. Là ça y est, là vous me donnez mal au crâne. Ça y est, j'ai mal au crâne. C'était pas un coffre, va le faire dans le château, d'accord, il y a un truc dans le château. Allons voir dans le château. Dans le château. Au bout du château. Visiter le château avec Louise. Salut. Il était où le coffre déjà? Waouh, il y a tout le monde. Salut, ça va? Ça nice, ça fart. C'était ici qu'il y en avait un de truc mystique. Ah, je sais plus où il est le truc mystique. Gourou m'a filé la localisation. Faut examiner celui du château, de l'auberge de Truss et de la maison de l'ancien de la ville la plus au sud. C'est tout, d'accord. Déjà, je vais trouver celui du château. Donc, vous voyez, c'est pas gagné. Hein. N'oublie pas de save, mais pourquoi je devrais save? Putain, il est où le celui du château, bordel? Où est celui du château, bordel de fion? Eh, le château! T'as, les mecs étaient plus intéressés quand je mangeais sur leur legueur. Il est entre les étages. Putain, merde, je l'ai raté. Donc là, je fais pas le con. Château. Il est pas là. Waouh, on m'a fait peur. Il est là. Parfait, mouda, 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 mouda. Le fourrard 93, bienvenue. J'appuie. Il y a quelque chose à l'intérieur qui, lui, à l'approche du pantin. Voulez-vous le prendre? Non. Voilà, c'est bon là. J'ai fait non. Et c'est bon. On est d'accord. Lui, je l'ai fait luire. J'ai fait non et on est bien. C'est pas ça? Voilà, impeccable. Nickel. Parfait. Donc on va essayer d'aller trouver les autres. On va essayer d'aller trouver les autres. Donc visiblement il y en a un chez l'aubergiste. On va quand même sauvegarder. Il y a des pâtes au ketchup encore. La forêt, la 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 la. Non, venez pas m'embrouiller, cassez-vous. Cassez-vous, non. J'ai été extrêmement lucide. Ok, l'aubergiste. Magasin. Magasin. Maison. Auberge de Truss. Dans l'auberge de Truss. Il est censé y avoir un autre bidule. Voilà, il est là. Ce coffre est dans la famille depuis des générations. La personne qui arrivera à l'ouvrir pourra garder son contenu. Il y a quelque chose à l'intérieur? Non. Je n'ouvre pas. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'avait dit? L'auberge de Truss, la maison de l'ancien de la ville la plus au sud. D'accord. La maison de l'ancien de la ville la plus au sud. Donc chez l'aubergiste, j'ai le maire. Non.
La maison de l'ancien de la ville la plus au sud. Je pense que c'est par là. L'ancien se trouve... Ça, c'est une auberge. Tarta, c'est pas vraiment un ancien. Non. Mais la fenêtre qui filme le chat sur la partie du bas au lieu de celle du haut, cela réduira le délai entre tes questions et nos réponses. De quoi ? Je comprends rien du tout. La taverne, non. Maison de l'ancien. Maison du maire, c'est pas vraiment un ancien, le maire. Ah si, il y en a plein là, d'accord. Ok, il y a quelque chose à l'intérieur, non. Il y a quelque chose à l'intérieur, non. Voilà. Impeccable, allez, voilà, ça a été examiné. La mère à karaté. Ba 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 bo ba. Voilà, ça c'est examiné, maintenant on va pouvoir les ouvrir dans le futur. C'est très bien. Au moins, c'est gagné. C'est cool, il n'y en a pas tant que ça, finalement c'est pas si chiant. Il y a aussi un coffre noir dans une grotte. Ok, donc maintenant je peux aller les prendre en mine et ensuite les reprendre avant. Ok. Nice, nice! Ça c'est bon ça, c'est ça qu'on veut. Saut temporel. Est-ce qu'il y en a en... Ouais, en 2300 d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a en 1999? Il y a pas 1999 là déjà? Ça c'est quelle époque ça déjà? L'an 1000, attends, non. C'est quoi comme époque? 2300, d'accord. En l'an 1000. Il y a plusieurs places en l'an 1000, en fait. On va aller en l'an 1000, ici. Tu devrais aller direct dans le futur, récupérer le époque, et tu te feras moins chier après pour les coffres. Ah, c'est vrai qu'on va récupérer un vaisseau. Oui, bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, vous avez raison, vous avez raison. Non, on va aller dans le futur. Où est le futur? Voilà. Allez, direction le futur. À tantôt, Chevalion. C'est parti. Allez, on va récupérer le vaisseau, comme ça, on sera au calme. Donc, où était le mec qui faisait les trucs? Ok, ça sent les embrouilles quand même ici. Ah ouais, merde, je me suis téléporté à la centrale, quel con. Bah ouais, en fait, j'ai pas le choix, je dois tout retraverser. C'est vraiment grave, lui, si je dépasse pas. Ah putain. Le futur. Cette zone de désolation. Il te fait attaquer par des hooligans. Je m'en fous de gagner, je m'en fous de perdre. Je me suis fait baiser. J'ai fait le boost un poil trop tôt. C'est pas grave, je suis de l'autre côté. Sérieux ? Ah, je peux skipper en allant à gauche, d'accord. Je te défonce le pare-choc, moi.
J'ai encore perdu. Alors qu'il suffisait de faire ça. Ok. Ah, j'ai tenté de gagner. Ah tiens, les mutants ont l'air encore plus mutants qu'avant, hein. Ils étaient pas aussi mutants hein, la première fois, hein. Non, je me souviens, eux étaient pas si mutants que ça. Pourquoi êtes-vous mutants? Ouais, le cyclone coupant les touche même pas. Oh. Suikoden 2, je l'ai fait, hein. Suikoden 1 et 2, je les ai déjà fait, moi. Je sais pas pourquoi, il y a des RPG comme Chrono Trigger, comme Chrono Cross, je les ai jamais terminés. Il y en a d'autres, je les ai même pas fait. C'est le cas, bah vous pouvez aller voir la liste hein, de Let's Play. Et il y en a d'autres, je les ai terminés. Je sais pas pourquoi. FF Tactique, Vandal Hearts 1, Vandal Hearts 2, Grandia. Grandia, je l'ai fini en Jap. Mon premier RPG Jap. J'ai fini aussi, c'est bizarre pourquoi j'ai fini lui et pas un autre jeu. Il y a plein de jeux, c'est bizarre. Mon avis de joueur. En fait, je trouvais ça beaucoup moins désagréable quand j'étais adolescent de faire un jeu en jap qu'en anglais. Parce que déjà, tu vois, j'essayais de chercher à comprendre le japonais au milieu de tout ça. Et ensuite, en anglais, ça me frustrait. Les jeux me frustraient énormément. Parce que, tu vois, il parlait ma langue, quoi. Je sentais qu'il fallait que je comprenne quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Mon cerveau, il disait non. Alors qu'en Jap, c'est, tu sais, je suis lost in translation. Et vas-y, démerde-toi, cherche. Et je m'en fous, je cherche. Quand je joue en Jap, je cherche. Je cherche, ensuite j'apprends par cœur les noms des objets et des magies intéressantes, etc. Retour là-bas, non? Bon, Vandal Hearts, c'est très très bien. C'est les jeux les plus moches que j'ai jamais fait, en revanche, de toute ma vie. Je crois que j'ai jamais joué à un jeu plus moche. Mais j'ai été pris par l'histoire. Hein. Vous savez, j'ai fait tous les Dragon Quest en japonais, hein, tous. Hein. Sans exception. Hein. Les Final Fantasy aussi, j'ai tous fait en japonais. Mais après coup, je les avais déjà pour la plupart terminés en français. Après, ça, l'univers le même, les magies, le truc. Mouda, 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 mouda. Fire Spirit. Bienvenue. Et merci pour le sub. Voilà qu'on sort, c'est où qu'on sort. On sort où qu'on sort. Mouda mouda hype. Pense à prendre les portes dans le dôme auquel tu arrives la première fois dans le futur. Tu y trouveras de bons trucs. Bah c'est là où je vais, non? C'est moi, je continue d'être con et je les tape alors qu'ils sont insensibles. Est-ce que j'ai fait Maikai Kingdom sur PS2? Non. J'ai mongolisé les monstres parce que j'ai encore lu le chat. Allez, en haut, on colle, on sort. Encore le rat qui m'a volé des potions, lui il est infini de toute façon. Eux, ils vont crever en une magie. À mort. Putain, ça donne que 5 PC, hein. Ça donne pas beaucoup de PC, hein, tout ça. Je réclame plus de PC. Est-ce que je peux éviter les monstres plantes en collant? Merde! Je
Ni no Kuni fait partie de la liste. Faudrait que je programme Moubot pour qu'il vous donne la liste des jeux de Let's Play. Il y en a plein, hein. Je suis sûr que j'en ai oublié en fait. Je suis persuadé que j'ai oublié certains jeux dans mes jeux de Let's Play. Il y en a d'autres qui vont probablement s'ajouter. Ça c'est sûr. Parce que je dois encore acheter FF15 sans y jouer à tous les coups. Ah j'avoue, un animé Chrono Trigger. Il n'y a pas eu un animé Blue Dragon? Je crois qu'il y a eu un animé Blue Dragon aussi, un autre RPG avec l'art design d'Akira Toriyama. C'est pas terrible, terrible. Je vais bientôt avoir des monstres qui donnent 100 PC. Bah la vache! C'est la fête du slip! Mais je sais même pas si on peut fuir les combats dans ce jeu en fait. J'ai jamais cherché à fuir le moindre combat dans ce jeu. Ouais, il y a un animé pour Blue Dragon. Ouais. Il y a un OAV Chrono Trigger. Vous savez qu'il y a un OAV FF5 aussi. Hein. Ça se trouve. Le OAV Final Fantasy 5. Alors, c'est pas du Amano. Hein. Dans le Kara Design. Je vous spoil. Ouais, ça se laisse regarder. Resonance of Fate, il est dans la liste. Il est dans la liste. Un RPG que l'on m'a conseillé parce qu'il cassait tous les codes du RPG. Ok. Doom. Bah voilà, il y a une putain de porte ici, là. Je peux péter ça. Impeccable. Ah bah parfait. Méga Ether. Bourse magique. Et bustier séduisant, Louise. Oui, petit bustier séduisant. Non. Je veux pas de bustier séduisant, Louise. Mais qui c'est qui met le bustier séduisant, là? Ça fait quoi, la bourse magique? Transforme les XP en Gilles? Mais c'est craqué! Ah, le bustier séduisant, c'est ça. Augmente l'efficacité de la séduction. Non, non, c'est un accessoire. C'est pour ça, en fait, que je me suis baisé moi-même. Ok, petit bustier séduisant. Le bustier, c'est pour Rex. Ah, foutez-moi la paix, là. Je vais voir le Satan Vent Fou qui est en train de tout péter. Salut. Oui. J'ai encore failli acheter des trucs qui servent à rien. Qu'est-ce que... Ah, ils ont fait planter les trucs, c'est trop cool. Ça plante, regardez, je les ai sauvés, eux. Regardez, ils sont en train de pousser. Il a traversé les ruines, il a transporté un arbre. Je rappelle qu'il n'y a pas de soleil ici. Séduction égale vol d'objets. Vraiment une caverne de voleurs. Méga Ether, boucle d'or, trouver gélule de magie. Et merde, c'était pas là qu'il fallait aller. Alors, boucle d'or, PM requis, moins 75%, la vache. Putain, rapidité, je suis 2 étoiles là, ça veut dire quoi? Je suis gothier en rapidité en fait.
Ok, donc ça c'est fait. Où est le sous-sol maintenant? Il y a bien un sous-sol ici, non? Hein? C'est super bizarre. Je ne reconnais plus cet endroit. Il n'y a pas un sous-sol ici? La stat est au max quand j'ai 2 étoiles, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bah, je vais devoir retraverser cet endroit désagréable. Désolé, hein. Mais au moins, je suis allé chercher les objets. C'est ça, vole-moi mes potions, connard. Je m'en bats la race. Allez, passe là, putain. Chier. Je peux pas éviter le combat là. Même en longeant les murs, si. Si, j'ai réussi à éviter le combat, d'accord. Donc là. Ah si, je peux éviter le combat quand même. Ah, c'est cool. Impeccable. Ouais, lui, il m'a volé toutes mes potions. Ouais. Ah, ça sentait bien les embrouilles malgaches, hein, quand même. Non, mais c'est pas grave, ça va aller vite, ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va aller vite. Ah, ça y est, j'ai appris O2, ça c'est très bien. Quoi des... Oh merde! Bah non, la bêta a fermé ses portes. Du coup, Street Fighter 5, on attend. J'ai le logo hein, qui tourne sur ma télé. Il est là, il tourne. J'attends, moi. Je suis patient, j'attends. Ok. Dôme de la mort qui tue. Salut. Donc pas le renfort en main les mecs ici encore. Ça va, vous avez réussi à faire pousser des trucs? Ouais. Moi je descends, hein. M'en voulez pas. Ah, faut encore que je me tape tout ça là. C'est bon, je leur ai déjà niqué leur mère à eux, non? Les cancres là sont là. Alors pour SF4, à part le stick, quelle manette est vraiment bonne pour jouer? Celle de 360? Point d'interrogation. La manette de 360, à part pour quelques persos, c'est à mon avis une des pires manettes de l'histoire pour jouer, mais... En fait, tout est une question d'habitude. Ah, ils ont toujours pas retiré la clim d'ici. Le dératiseur. Je pense qu'une bonne manette pour jouer reste quand même des manettes genre la manette Saturn, manette de PlayStation à la limite, mais je pense que pour bien jouer, il faut une bonne croix. Il y a quelques manettes 360 qui ont des bonnes croix comme ça. Je pense qu'avec les nouvelles manettes pro qui coûtent, tu sais, la peau du fion, tu pourrais trouver une bonne croix. Toche de lumière, élixir, bague de précision, mon gars. Pendentif d'or, gélule de force, la vache! C'est la fête du slip!
pendentif d'or, hein, mon gars. Pendentif d'or. PM Max 50% boucle d'or. Voilà, oh là, c'est bien. Soit 50% de PM Max, hein, punaise. Toche de lumière, regardez-moi ça, ça augmente la défense magique et tout. Parfait. Les équipements qu'il y a ici, c'est violent. Hein. Depuis que je peux tout ouvrir, je suis Sama. Hein. Petite gélus de force sur chrono. Voilà, la force à 48, merci. Heureusement que j'ai piffé le bon endroit. Hein. Parce que je piffe vraiment les endroits où je me dirige là. Il y a tellement de portes antiques à ouvrir. Alors. Salut. Ok. Ouais, ça va me repasser la mort de Lavos, c'est ça? Lavos qui détruit le monde en 1999. Rendez-vous compte de l'affront. Le jeu est sorti en 95, il me semble. Il a prévu la fin du monde en 99. Comme... Mais notez qu'il protégeait les... tout dans des dômes. Ok, bon ça c'est de la merde en gros. J'ai rien à foutre là. Ouais, je nettoie les dômes, je nettoie les dômes. Au moins là, je suis sûr, le dôme il est nettoyé, tu vois. Y'a pas d'embrouille. J'ai récupéré les objets de valeur. Je peux me casser. Ça fait toujours du bien, les petits objets comme ça. Ça me fera une partie pas trop dégueulasse pour la continue off-stream. En New Game Plus. Alors, je vérifie juste qu'ici, y a rien d'intéressant. Je crois qu'il n'y a rien. Il y a juste Laura qui dit attention au danger. Non, lui il était décédé. Ouais. Ah bah ça, les joueurs de jeux de baston. Ils se font arnaquer depuis loin, mais pas vraiment en fait. Là, ces trucs de compatibilité, c'est vraiment de la... C'est vraiment un truc de merde, je trouve. Ça pourrit un peu le... Ça pourrit un peu le game. Après, ça permet de revendre des sticks, mais... C'est pas très honnête, finalement. Comme moyen. Bien sûr qu'il n'y a rien ici. Non, j'ai pas un point de sauvegarde. Parfait. Ok, je peux me casser. Ce dôme, il est dépouillé. Parfait. Nickel. On va chercher ce dôme-là. Ancien égout. Hein. Ouah, il y a l'ancien égout. Mais je suis jamais allé ici. Des intrus, je dois avertir ce rampant immédiatement. Mais je suis jamais allé ici. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des égouts mutants! Mais ils sont zéro! Il y a des trucs bien là-dedans? Putain, des crapauds, mec! Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Ils viennent directement s'embrouiller. D'accord, bon, bah, j'y suis pas allé, donc on va expérimenter, hein. Salut. Ça, c'est optionnel, en fait, comme endroit. Salut, le chat. Ouah, le chat, il dirait qu'il m'embrouille.
C'est un donjon que tu peux faire au début, d'accord. Bon, écoutez, on va faire ce donjon-là. On n'est pas obligé, mais on va le faire. Ça va aller vite. Maintenant que j'ai un niveau surpuissant, on va voir s'il n'y a pas quelques trucs à... Ouais, en plus, moi, les labyrinthes, j'aime bien ça. Les câbles. Nickel. Ah, alors que ça discute des RPG à faire, visiblement, sur ce chat. Tactical RPG ou pas. Je t'ai piqué le fromage, qu'est-ce tu vas faire, mon gars? Qu'est-ce tu vas faire, mon gars? Pour le moment, c'est pas très... C'est tout droit pour le moment. Ok. Ok, ok, j'avoue, on brouille. Ouais, je prends tous les pièges, moi je m'en fous. Hein. Je les bute en un coup d'assaut. Putain, bah ça va être l'occasion de repasser en mode. On va se repasser en mode. On va se faire un petit plaisir. C'est parti, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Petite bague de berserk. Ah. Voilà mon gars, petite bague de berserk sur les deux persos. Et là on se fait plaisir. Voilà. Voilà. Moi je m'en fous, le boss il va pas me tuer. Et au pire, le crapaud il peut faire des bisous. Ah, on a un passage ici ou c'est un mythe? Ah, passage. Interrupteur? Eh ouais mon gars. C'est bon, j'ai l'œil. Passage ici, passage là. On va en bas, nickel. Putain, encore des crapauds. Mais il y a des trous de coffres craqués à avoir. Qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est tout? Bracelet de colère. C'est un boss ça lui hein. Ça m'a l'air d'être un boss hein, cette sentinelle. Oui, aïe 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 aïe. Hein? Adieu yoga hein. Je te demande aussi. Du coup, je te demande aussi, ayant vu que tu connais pas mal de sticks, est-ce qu'il est meilleur à acheter comme stick arcade ou de le faire soi-même? Ça dépend ce que tu veux. Il est mort? C'est tout? Putain, c'est un labyrinthe, ça me fait chier là, je suis déjà perdu. Moi, FF13, je l'ai fait hein, d'une traite. Hein. Mis à part les personnages qui j'ai pas réussi vraiment à accrocher, à part Fang. Fang qui est grave stylé. Ça allait. J'ai compris ce qu'ils ont voulu faire dans le gameplay, tu vois, ça m'a... pas rebuté. Sable refulgurant, je suis sûr que c'est de la merde. Bah oui, c'est de la merde. Ah merde! Qu'est-ce que je fous là? Le monde est défunt. En fait, c'est là que je dois aller. Ah, mais c'est là que je dois aller. Moi, c'est là que je dois aller.
Ok, lui il est au calme. Très bien. Ouah. Je suis Gash, le sage de la raison du royaume de Zil. J'ai été propulsé jusqu'à cette époque, lors du grand désastre de Zil. C'est avec surprise que je constate que la Veuse ne s'était pas manifestée qu'à mon époque. Il est tombé du ciel il y a des millions d'années, a surgi de Zil, puis a continué à croître en absorbant l'énergie de la planète trop profondément enfouie sous terre. Très bien, moment historique avec des points de lumière. En s'agissant du calendrier du royaume de Gardia, il est apparu brièvement lorsque Magus l'a invoqué. En 1999, du calendrier, il a finalement aussi conquis la surface. Ensuite, il a engendré des larves à une cadence incroyable à l'endroit que j'ai surnommé le monde des défunts. D'accord, Lavos est un parasite géant qui fait de la planète son nid. Ok, ouais, normal, c'est la base. J'ai continué d'observer et étudier Lavos ici. Cependant, il y a déjà des temps d'année limite. Il est sans doute impossible de maintenir un esprit sain non vivant dans un tel environnement. Avant que je perde la raison, j'ai décidé de laisser cet enregistrement ainsi que mon ultime invention. Putain, cool, je récupère un vaisseau spatial de le temps moderne. J'ai poursuivi mes recherches pendant des années, l'espoir de revenir à mon époque, mais forcément, j'ai tout abandonné. Alors que une pauvre chercheuse génie en l'an 1000 a trouvé complètement au pif le moyen de traverser le temps. C'est possible de parcourir la rivière du temps si les humains peuvent aller à l'époque. Alors Lavos pourrait peut-être être vaincu. Ok, bon, moi je maîtrise le temps, peut-être je vais pouvoir baiser Lavos. La probabilité est pro de 0 cette fois. Tant qu'elle n'est pas nulle, je tenterai ma chance, je miserai sur la planète entière pour essayer de franchir cette porte et de sauver le monde. Il s'est complètement devenu fou. Ok, l'invention, elle est derrière. Un gros méchant se sert de la planète comme parasite. Ouah, trop stylé! C'est Épion. Les ailes qui traversent le temps. Une machine à voyager dans le temps. Je veux monter dedans. On peut pas monter dedans. J'arrive pas à monter dedans. Putain. J'arrive pas à monter dedans. Putain, fais chier, j'arrive pas à monter dedans. Ah voilà, parfait. Ça c'est craqué, ça va me permettre de voyager dans le temps à n'importe quelle époque. J'ai copié mes pensées dans le cerveau de cette créature. Waouh ! Elle vous plaît ? Ouais, c'est cool. Je vais vous expliquer quelque chose, à savoir comment atteindre une autre époque. Appuyez sur Y pour afficher la jauge du temps et choisissez l'époque. Vous voulez avec le bouton R ou le bouton L. J'ai oublié, d'accord. Je m'endors. Hein ? Réveille-toi ! Avant de partir, que direz-vous de me donner nom à ma machine à voyager dans le temps? Ibis! Ibis, ça pue! C'est quoi le nom de la machine à voyager dans le temps? Quel est le nom de la machine à voyager dans le temps? Mabit. Voyage sur la machine Mabit. La DeLorean. TARDIS? Pourquoi Tardi? C'est quoi Tardi? 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 Le Normandie. J'avoue. Darty. Je vais googler TARDIS. Qu'est-ce que c'est TARDIS? Qu'est-ce que c'est que ça? TARDIS. Qu'est-ce que c'est que ça? TARDIS.
C'est la machine du Docteur Who. Le Docteur Who. Je regarde pas les Docteur Who. Ok, non, c'est de la merde. TARDIS, autre chose. Époque. Bah oui, c'est le nom dans le jeu, mais là ils l'ont appelé Ibis Hotel. Ça veut rien dire. Le jonceur. Ouais, j'ai regardé vite fait 3-4 épisodes. Je n'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Ah, désolé, hein, je ne regarde pas Doctor Who. Je pensais pas que c'était aussi grave. Elle me suicidait. Elle me suicidait. Ça sera Zawaldo. Voilà, ça je regarde Zawaldo. Zawaludo. Ah, ça rentre pas. Faut autre chose. Les doubles, les chiens. Tito d'hier 8. Ça n'avance à rien ce que tu dis, Bouki. Ouais, je la paie Twingo. Twingo, ça devrait rentrer. En hommage à ma Twingo défunte. Ça rentre Twingo. Twingo, parfait, voilà, allez. Je vais monter à bord de ma Twingo qui remonte le temps. Parfait. Je monte, hein, je monte, hein, je monte. Je monte, y a pas de problème. Comment? Ouais. Moi, je demande qu'à monter, hein. Ah, voilà, parfait. Enfin, il s'est endormi, donc je peux passer. Une petite Twingo. Bah si, Twingo, c'est parfait. Je pars avec ma Twingo et Louise visiter les époques. Le cataclysme, le présent. Regardez comment tout change. Vous avez vu le monde évoluer? Ah, il y a la fin des temps aussi. Non, mais B en fait. On va rester au présent. Non mais reste là. Putain, fais chier. Je vais voyager au cataclysme. Ah, cinématique du swag. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, moi je me casse, hein. Il est gigantesque. Ah, il est dégueulasse, hein. Pire boss de l'histoire. Tu veux vraiment y aller, chrono? Bah, clairement pas, non. Ouais, moi, je vais aller ici. Ouais, je descends. Ok, il me met directement là quand je me téléporte ici. C'est chiant, putain.
Moi, tout ce que je voulais, c'était récupérer les coffres que j'avais pas. Ça me saoule. Pas du tout fait ce que je voulais. Pourquoi il y a encore un truc pour ici? Ok, j'ai l'huile de magie, parfait. C'est au pif, c'est là. Il va falloir que je retourne tout ici pour aller... Ça fait loin quand même, hein. Et là, je peux pas y aller au monde des défunts, non? Y a pas moyen de... Snakefleck? À partir du moment où on te laisse libre d'aller où tu veux... Moi, j'ai tendance à faire n'importe quoi. Attendez, je retourne là. Devait y avoir un interrupteur que j'ai pas activé. Voilà, interrupteur. Parfait. Nickel. En plus je suis en mode berserk, donc ça aurait été pas très agréable, je pense. Est-ce que j'ai déjà pu aller ici? Bah oui, j'y suis déjà allé ici. Ça c'est juste un cut en fait, mais j'ai fait le tour. Y'a rien ici en fait. Ok, c'était juste pour prendre l'interrupteur, fermer le truc, voilà. Ça servait à rien. Désolé. Désolé, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Vous en faites pas, on se casse, on se casse. Après, la Twingo fonctionne pas très bien. Ça marche ici, là. Moi, j'ai envie d'aller là, moi. J'ai envie d'aller là, je m'en fous. Salut. Oh, c'est dur de marcher quand même. Ah, il y a un truc ici. Obtenu, j'ai lu de force et je me suis fait repousser. C'est déjà ça. Voilà, je lui ai donné toutes les gélules. À mon avis, ça sert à rien. Non mais je sais qu'il faut aller à la machine, voyager dans le temps, mais calmez-vous. Oh là là, ils sont sous tension. Ce chat est sous tension. Calmez-vous, détendez-vous, on est bien là. Laissez-moi prendre ma gélule de force, regardez si j'ai pas ouvert ou oublié de coffre. Et c'est parti. Je vais me servir de ma Twingo pour aller partout. Je vais commencer par aller ouvrir mes coffres en 1000. Ah, pas détendu les mecs là. Laisse-moi passer, sac à foutre. Putain, voilà. Ah, la IGDQ commence dans 5 minutes. Mettre la machine en marche, c'est parti. Voilà, on va en 1000. Alors, est-ce que je peux bouger? Ah, mais là, il est chiant, lui. Mais il peut pas me permettre de me déplacer mieux que ça. Non, c'est pas un vaisseau qui bouge. Pour le moment, il bouge pas. J'attends la Twingo EX. Bon, j'ai des coffres à ouvrir ici. Bon, on est d'accord, je les ouvre. Pas encore. Après, non, tu es Ken. Tu es le... Que se passe-t-il? On m'a dit, reviens ici pour ouvrir les coffres, mais je dois pas les ouvrir. Pas maintenant, on se court. D'accord. D'accord, ok, voilà, c'est bon, calmez-vous. Ça va, oh, oh, oh. Putain, le chat est sous pression. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Putain, j'ai cru que j'ai cru que j'allais tuer vos darons, quoi. Putain, j'avais l'impression que j'avais mal parlé de vos mères. Ah, pas maintenant, c'est pour les coffres qui volent pas. À l'accord, c'était le délai. Putain, ils vont flipper les gens. On se détend, hein. Allez.
Veste blanche est devenue plus puissante, vous obtenez le plastron blanc. Veste noire est devenue plus puissante, vous obtenez le plastron noir, parfait. Impeccable. D'autres à ouvrir. Ouais, il y en avait au nord. Avec les corons. C'est dans la maison de l'auberge, c'est ça. À l'auberge de Truce. Pas un truc à l'auberge de Truce. Là. La veste bleue devenue plus puissante, vous obtenez le plastron bleu. Parfait. Jusque là, c'est plutôt le GG, non? Jusque là, c'est le GG. Là, j'ai rien ici. J'ai rien, ok. Après, tu vas aller chercher dans le passé. Ouais, j'ai compris. Ouais. Allez, blablabla. Voilà, on détruit tout. Il me reste le château. Parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même un truc ici. Ouah, qu'est-ce que c'est ? Ouah, bouda. Galak Blue Meteor. Bienvenue sur ce stream. Donc j'ai plus qu'à aller chercher. Soldats ! Ce sont les insurgés ! Les insurgés ? C'est les embrouilles. Bon, vous en sentiez sa majesté tient à son royaume et à tout le monde. Même quand il illustre mère, la rénaliste est décédé, il... Ah, ma mère? Ah, ce n'est rien. Continuez. Il m'est difficile de vous dire une chose pareille, mais un jour, l'état de la reine qui avait toujours eu une santé fragile s'est soudainement aggravé. Votre mère voulait voir le roi une dernière fois, ne serait-ce que brièvement, mais le roi... Mais le roi, il a dit qu'il était occupé à gouverner le royaume et n'est pas allé la voir. Culé. J'ai veillé à son chevet, voilà, et... Oh, c'est horrible. Ah, c'est horrible, c'est affreux de raconter des choses comme ça. Mon père aurait... Ma mère... Ah, ma soeur... Oh là là. Pendant que sa femme était en train de crever, lui, John sait tout ce qui se passait dans le royaume. Tu parles d'un putain de roi. Quelle honte. Quelle honte. Et lui, là. T'as John sait qui, toi, bâtard. Oh, ça sent les embrouilles quand même, hein. Tu as l'intention d'ouvrir un cirque? Mais c'est affreux ce qu'il raconte, lui. Oh là là. C'est l'embrouille perfide, là. Ça va terminer en patate, là. Je suis mis les pieds dans... J'ai mis les pieds dans un sacré truc de chiottes. Sors d'ici, je ne veux plus jamais te revoir. Et j'ai un coffre à ouvrir. Je ne serai jamais revenu te voir, de toute façon. Non, calme-toi, fillette, on se calme. Tu n'es plus ma fille, fais ce que tu veux. Et il part bouder. Oh, il y a le chancelier, il pleure. C'est bon, je m'en fous, j'ai accès, je peux ouvrir le coffre. Vos embrouilles de blanc, j'en ai rien à foutre. Voilà. Hop. Le plastron rouge, impeccable. Ça absorbe les dégâts de feu. On est bien.
Là, il y a un vieux truc. Je l'avais oublié. C'est une élixir. Putain. Fragile, le roi. Ouais, j'ai récupéré ce que je voulais. Je peux me casser maintenant. Donc, voyons voir un peu l'efficacité de toutes ces choses. Donc, le plastron rouge. Ouh, la barre! Absorbe les dégâts de feu. C'est très, 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 très bien. Absorbe les dégâts d'eau, absorbe les dégâts de ténèbres, absorbe les dégâts de lumière. Il manque le plastron jaune. Il est où le plastron jaune? Multi-Twitch, ah, l'AGDQ vient tout juste de commencer. Excusez-moi, je crois que le chancelier est pas bien. Le chancelier, il est très bien, il en a rien à battre. Cloud perso de noir, c'est un héros de jeu de base. Vous comprenez rien à rien, vous. Hop là. Perso d'arabe dans FF7, c'est Vincent et Rouge 13. Et perso des blancs, c'est Barrette. Ouais, Barrette, ouais. Est-ce qu'on a d'autres? Ketsi aussi, c'est un bon perso blanc. Retourne au village, monstre raciste nazi en 1000 pour récupérer les craqués. Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez, hein. Ouais, mais mec, tu crois que c'est simple, toi? Ça coûte la peau du fion. Et d'ailleurs, mon vaisseau, là, qu'est-ce que je peux en faire? Je vais retourner lapin à fin des temps. Cid, ah, peut-être Cid. Ouais, peut-être Cid aussi, ouais. Oh là 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 là. Je vais vendre un peu de stuff, on verra. Et déjà, faut que je réussisse à retourner de l'autre côté, hein. Tandis que mon vaisseau peut pas bouger. Voilà la fin des temps. Je vais le garder à la fin des temps. Jauge du temps, je descends. Voilà, je le garde. Voilà, il est garé, parfait. Impeccable. Salut, vieil homme. Je vois, alors ils avaient terminé ces ailes qui traversent le temps. Ils auraient payé de sa vie. Pourquoi ne retournez-vous pas dans l'ancien royaume de la magie d'abord avec ce vaisseau? Si vous aviez besoin de mon aide, venez me voir. Ok, il t'indique directement où il faut aller à chaque fois, lui, il est cool. Ah, par contre, Marl, c'est non, hein. C'est officiellement pas possible. Faut changer là, monsieur. Voilà, merci. Ok, donc là, je dois retourner à Tulle. Medina, non. C'est pas Medina. Non. Oui, c'est là. Place de Lynn. Ah bah si, non, non. C'est la place de Lynn ou c'est l'autre? Oui, c'est bien ça. C'était bien l'autre, ok. Donc là, j'ai lu, bon pif. Donc allons voir cet enculé de vendeur de merde. Bâtard, ce mec. Alors, voyons voir ce qu'on peut vendre. Vendre un sable d'argent. Je peux vendre des armées d'acier.
Prendre des armures de bronze, armure d'acier. Veste de titane. Toche de brume. Vendre la toche de brume. Obscur, non. Plastron osseux. Je peux en vendre un. J'ai pas assez, hein. Ah, l'éther vaut cher. Ah, c'est vrai que l'éther vaut super cher dans ce jeu. C'est la valeur sûre, l'éther. Éther, valeur sûre. Je me souvenais comment je me faisais du fric dans le jeu. On va pouvoir vendre 10 éthers. Je vends 12 éthers et c'est bon normalement. J'ai assez pour acheter l'arme. Un petit zanmato. Ouais, la défense est pas si top que ça. Toche de lumière, j'en ai déjà en stock. Et le plastron éclatant. Plastron éclatant, c'est moins bien, non? C'est vraiment le zanmato hein, qui est craqué. On va acheter le zanmato. Impeccable. Par contre, ça n'augmente pas ma rapidité, mais c'est pas grave. Je suis craqué. N'oublie pas l'armure de l'armure pour Garrus. Achète pas, dit Seigneur Blu-ray. Quoi? Bah oui, je regarde le prix. Non, mais calmez-vous. Comment ça annule à tous les jeux? Quoi? Fallait pas acheter, mais pourquoi? Non mais attendez, attendez, venez pas me traiter de mongolien, c'est vous qui m'avez dit de venir ici pour acheter les trucs. Mais je m'en fous qu'il m'arnaque, j'ai une arme pétée, qu'est-ce que j'en ai à branler? Et ça m'a rien coûté. Non mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mais j'ai rien niqué, j'ai rien vendu. Je n'ai pas vendu une seule armure que je n'ai pas en double. Et j'ai vendu des éthers dont je me sers pas. Elle est craquée l'arme, elle double quasiment mon attaque. Qu'est-ce que je m'en branle? De la payer 65 000, je m'en fous. Putain, mais vous délirez les mecs. Vous croyez que je vais vous vendre les parties à un prix normal? Oui, bah il m'a arnaqué, mais je m'en fous. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre du pognon, putain? Oh là là. Faut pas me dire c'est bon, on peut faire fête du zizi, ensuite après me dire c'est pas bon. Faudrait savoir ce que vous voulez. Pas d'éther égale pas de boss de fin. Mais si. J'ai vendu des super éthers, j'ai encore mes méga éthers. Et j'en ai encore 12 des éthers. J'en ai vendu 10. J'en ai une vingtaine. Sans déconner, Kyunshin. Putain, mais faut vraiment, vraiment que vous régliez vos problèmes, hein, le chat, hein. Parce qu'entre les mecs qui disent « Vas-y, fais ça !» et les mecs juste après « Putain, mais quel con, mais c'est pas possible, il a pas acheté ça, mais voilà, c'est pas possible !» Au moins, moi, j'ai l'arme pétée. Elle va dérailler la barre. Dans 15 minutes, je payais l'arme une bouchée de pain. Bah à ce moment-là, eh ben faut pas que des abrutis me disent allez faire ça. Voilà. Putain. Bon là je les ouvre les coffres ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Armée gardien, parfait. Ah merde, fallait choisir entre l'un ou l'autre, je crois.
crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de prendre... Je suis en train de prendre la max. Voilà, j'ai pris le coffre de gauche. Fallait prendre le coffre de droite. Vous m'avez énervé. Vous m'avez énervé. Vous m'avez fait chier. Là, vous m'avez cassé les couilles. Voilà. C'était quoi l'arme à droite? Putain, mais ce chat dégueulasse! Oh. On va faire une pause, hein. Vous l'avez bien mérité avec une grosse fessée. Bon, l'armure avait l'air stylée. Je sais pas c'était quoi l'arme, mais... Un sabre à lame fine et acéré, rapidité plus 3, attaque 145. C'était mieux que l'arme que j'ai achetée, là? Dire j'ai acheté un Zanmato... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Eh bien écoutez, j'assume la profondeur de mes actes et... Vous m'avez fait faire n'importe quoi. Faut pas me laisser les choix dans les jeux. Jamais me laisser le choix. J'ai tout cassé. Moi, on espère qu'on aura mieux plus tard. On va aller péter la gueule au boss de fin dans très peu de temps. Pause, on se retrouve après pour la suite de Let's Play. Je rappelle que la GDQ a commencé sur la chaîne Powerplay de Gaming Live. A tout de suite. Putain, chiotte. Mais fini de manger, cassez-moi la... Putain, pfff.